Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment est-ce que le modèle linéaire fonctionne. Nous allons prendre des cas pratiques pour illustrer ce type de modèle. Dans quelle situation faut-il estimer un modèle linéaire? Quels sont les préalables pour pouvoir estimer un modèle linéaire? Quelles sont les hypothèses qui sous-entendent un modèle linéaire? Comment est-ce qu'il s'interprète dans la pratique? C'est l'objet de ce tutoriel. Il faut déjà préciser ici que le modèle linéaire a un principe. Un principe qui est simple, c'est qu'il y a une variable à expliquer, qui est numérique, une variable numérique en général positive dans la plupart des cas, mais elle peut être tout simplement une variable réelle. Alors, il y a un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer notre variable, qui peuvent être numériques ou alors binaires. Donc, on peut par exemple vouloir expliquer le PIB, la production économique d'un pays, expliquer la croissance économique dans un pays. Ce qu'il faut faire par exemple dans ce cas, c'est de rechercher un certain nombre dans la littérature, un certain nombre de facteurs qui peuvent expliquer une croissance économique. Ça peut être les investissements publics, ça peut être les investissements privés également, ça peut être. La dette, le taux d'endettement, ça peut être un certain nombre de variables macroéconomiques qui puissent influencer sur la croissance économique. Et donc, l'objectif du modèle linéaire dans ce cas, c'est de voir par exemple quelle est l'élasticité d'une variable explicative par rapport à la croissance pour le cas que nous venons de prendre par exemple. Est-ce que par exemple une augmentation de l'investissement les dépenses publiques pourraient engendrer une croissance économique et dans quelle proportion? Nous allons le voir de façon pratique dans le modèle linéaire. Voilà, nous avons essayé de rechercher pour vous un cas pratique concernant les ventes d'une entreprise. Si vous regardez la dernière colonne de notre tableau là, vous verrez qu'on a les ventes trimestrielles d'une entreprise, ces ventes qui s'étendent sur 39 trimestres exactement. Sur 39 trimestres exactement. Et un certain nombre de variables qui pourraient expliquer de façon intuitive ou bien par une revue de littérature les ventes d'une entreprise. On a le marché total. Marché total, qui pourrait expliquer les ventes d'une entreprise, le nombre de clients potentiels, par exemple, ça pourrait expliquer les ventes d'une entreprise. On a les remises aux grossistes. Est-ce que le montant des remises faites par l'entreprise aux grossistes, est-ce que ça peut expliquer les ventes? Nous le verrons plus tard. Les prix, nous avons par exemple les prix qui pourraient influencer aussi sur les ventes. On a le budget de la recherche. Par exemple, plus on fait de la recherche, plus on a tendance à améliorer notre produit par ricochet, ça pourrait conduire à une augmentation des ventes. Nous allons le voir à travers le modèle linéaire, le modèle comment on peut pouvoir expliquer de façon pratique les ventes d'une entreprise en utilisant les facteurs qui pourraient expliquer ces ventes-là. Au-delà de ces facteurs, comme je vous l'ai montré dans le tableau précédent, on a comme variable expliquée les ventes semestrielles. Les ventes, on aimerait expliquer les ventes semestrielles au moyen de variables explicatives que sont le marché total, les remises aux grossistes, le prix de la marchandise qui est vendue, le budget de la recherche, l'investissement, la publicité, les frais de vente, le total budget publicité de la branche. Voilà, ces variables qui nous permettront, par exemple, d'expliquer les ventes semestrielles de notre entreprise. Et puis, le problème de prévision de vente peut se poser. Autrement dit, le modèle linéaire, par exemple, permettre de prévoir les ventes semestrielles du 39e semestre
dans le scénario où, par exemple, on a peut-être un marché total de 500 milliers de francs, une remise au grossiste de 100 milliers de francs, un prix de 83 francs, un budget, et ainsi de suite. Donc, le modèle linéaire peut par exemple nous permettre de faire la prévision des ventes étant donné nos prévisions de marché total, de remise au grossiste. Et puis, après avoir estimé le modèle linéaire, on pourra répondre à ce type de questions. Voilà. On peut également essayer de regarder les différentes corrélations qu'il y a entre les différentes variables au moyen de la matrice de corrélation, le marché total. Il est clair que la corrélation entre le marché total et lui-même est parfaite. Et puis, le marché total est négativement corrélé à la remise faite au grossiste. Le signe négatif, mais la corrélation n'est pas forte. Donc, par contre, le prix est très corrélé au marché total. Le prix est très corrélé, corrélation de 54%. Les frais de vente, par exemple, également, ont une très forte corrélation de 90%. Et donc, voilà, au moyen de corrélation, on peut essayer déjà d'envisager sur les variables. Si on prend par exemple les ventes, quelles sont celles qui sont fortement corrélées aux ventes? Et ça pourrait déjà nous inspirer dans les variables qu'il faudra inclure dans notre modèle de régression linéaire par la suite. Ok, on peut se poser par exemple un certain nombre de questions. Quel est le meilleur modèle à deux variables, à trois variables, et ainsi de suite? Ou alors, quel est tout simplement le meilleur modèle au moyen de variables dont nous disposons? Donc, pour ce qui est des données, on a un certain nombre de données sur la variable à expliquer, qui est dans le cas où nous allons entrer plus en profondeur, le cas des ventes d'une entreprise dont nous vous avons présenté les données tout à l'heure. Nous avons également les variables explicatives qui sont numériques ou binaires dans certains cas. Et donc, vous pouvez voir sur votre écran comment est-ce qu'on présente le tableau de données. On a les variables explicatives x1 et ainsi de suite jusqu'à xk, et on a la variable y qu'il faut expliquer, qu'on a observé sur la première, deuxième, et ainsi de suite jusqu'à la énième période. Voilà, et donc c'est cette matrice-là qu'on considère pour pouvoir établir une relation de cause à effet entre y. Donc on se base sur le passé pour pouvoir établir une relation entre notre variable à expliquer et les différentes variables explicatives qui pourront plus tard nous permettre de faire des simulations, des interprétations et tout ce que cela comporte. Voilà, nous pourrons donc dire ici que chaque valeur observée est considérée comme une réalisation d'une variable aléatoire définie par la relation qui est donnée là. À chaque y, à la date i, on fait correspondre une combinaison linéaire de variables explicatives, dont les coefficients sont bêta 0, la constante, bêta 1, bêta ainsi de suite jusqu'à bêta k, et puis un terme d'erreur. Donc pour chaque date i, on exprime la réalisation de notre variable à expliquer par une combinaison linéaire de variables explicatives, sans oublier un terme qu'on va appeler le terme d'erreur. Et puis, il faut dire également que les variables epsilon i, que nous appelons les termes d'erreur, doivent être indépendants les uns des autres. Donc, ils doivent être indépendants d'une période à une autre. C'est l'une des hypothèses fondamentales du modèle linéaire. Alors, pour pouvoir estimer les coefficients, le
Véritable problème dans le modèle logistique, c'est au moyen de la relation que vous nous avons montré plus haut là, la combinaison linéaire là, le véritable problème qui se pose, ce sera de comment estimer ces coefficients pour que Y, pour que la relation soit la plus bonne possible. Voilà. Donc le problème, c'est l'estimation des coefficients de régression. Bêta 0, bêta 1, et ainsi de suite jusqu'à bêta k. Le problème sera également d'estimer les écarts type du terme résiduel, du terme d'erreur. Quelle erreur commet-on en prenant la prévision qu'on pourra faire de la réalisation de la variable? Quelle est l'erreur qu'on commet? Quel est l'écart type entre ces erreurs-là? Et un autre problème sera d'analyser ces résidus-là, qu'elle vérifie les hypothèses de notre modèle que nous vous avons montré plus tôt. Nous vous avions dit que les erreurs doivent suivre une voie normale centrée réduite. Voilà. Quelle est la force de la liaison entre notre variable d'intérêt Y et les variables explicatives? Et cette liaison-là, on peut la mesurer avec une grandeur qu'on appelle le R carré, dont nous allons y revenir dans un instant. Et donc, on peut également regarder la liaison globale de Y. Les différents variables. Toujours comme problème, on peut essayer de regarder l'apport marginal de chaque variable explicative. Est-ce que chaque variable explicative influence significativement sur notre variable d'intérêt, notre variable expliquée. On peut avoir également un problème de sélection automatique de bonnes variables, ou alors de comparaison de modèles, d'intervalles de prévision à 95%, ou le niveau qu'on pourra choisir, l'intervalle de confiance, on pourra également s'y pencher. OK. Pour ce qui est maintenant de l'estimation des coefficients, nous avons vu plus haut que on a une variable valeur observée, Y à la date I, et on a plusieurs dates en principe pour le modèle linéaire. Et puis on prend une relation linéaire entre notre observation, entre notre variable d'intérêt à expliquer et les différentes variables explicatives qu'on explique comme exprime comme combinaison linéaire de ces variables-là. Et donc, un problème fondamental qui se pose, c'est comment est-ce que il faut faire, comment est-ce que nous allons estimer notre bêta 0, bêta 1 et ainsi de suite, bêta 2, et ainsi de suite jusqu'à bêta k, de telle sorte que en disant que Y est égal à cette combinaison-là, qu'on ne se trompe pas trop. Voilà. Donc c'est ça un peu le fondement de l'un des problèmes fondamentaux du modèle linéaire. Maintenant, ça, c'est la valeur calculée. Et maintenant, c'est considéré également comme étant la prévision. Et puis maintenant, la différence entre la valeur observée de notre variable et la valeur calculée en prenant Y comme combinaison linéaire des XI dont les bêtas sont à déterminer. Quelle est l'erreur qu'on commet en faisant cela? Et maintenant, le véritable problème ce sera, comme je l'ai dit tantôt, d'estimer les bêta 0. Et la méthode des moindres carrés est la méthode la plus appropriée pour pouvoir estimer nos bêta 0. En fait, on recherche des bêta 1, bêta 2, bêta 0, bêta 1 et ainsi de suite jusqu'à bêta k qui minimise la somme des carrés des erreurs. Voilà, la somme des carrés des erreurs. Pourquoi les carrés? Pourquoi pas les erreurs? Pourquoi plutôt les carrés? Eh bien, c'est parce que mathématiquement, il sera possible de trouver, plus aisé de trouver bêta 1, bêta 2, bêta 0 et ainsi de suite
pour pouvoir résoudre notre problème de minimisation. Il faut minimiser les erreurs dans notre modèle. Donc, on va trouver les bêta zéro par la méthode des moines carrés qui minimise le carré des erreurs pour pouvoir avoir les coefficients de notre modèle linéaire. Et puis, nous avons essayé de regarder les résultats pour notre tableau de vente de tout à l'heure. Et puis, nous nous sommes rendus compte que un tableau d'ANOVA nous permet de voir la somme des carrés des erreurs pour la régression à 8 degrés de liberté, et puis la moyenne des carrés qui est là, et puis la significativité. Nous avons également estimé les différents coefficients par la méthode des moindres carrés. Tout à l'heure, notre variable d'intérêt était les ventes d'une entreprise. Et donc, voilà, vous voyez comment il précise, on a précisé, ils vendent dependent variable. La variable dépendante, ce sont les ventes. Et maintenant, dans notre modèle, on a la constante. Voilà, notre constante qui est estimée là, le coefficient qui est estimé avec sa variation standard, qui est le cas type. Et sur la colonne, cette colonne, c'est la valeur de student. Et cette colonne représente la p-value, la significativité de notre modèle. Nous allons y revenir. Et puis l'intervalle de confiance pour le coefficient qui est là. Et donc, on peut voir par exemple que les coefficients sont là, qui peuvent s'interpréter en termes d'élasticité. Pour ce qui est par exemple du marché total, on voit par exemple que si le marché total augmente de 1%, les ventes vont augmenter de 4,42%. C'est comme ça qu'on interprète les coefficients bêta. Voilà. Donc, si le marché total augmente de 1%, les ventes vont augmenter de 4%. Voilà, c'est ce qui est tout à fait logique. Si les remises au... Bon, mais ça, c'est sous réserve de la significativité. Voilà, effectivement, les ventes totales sont significatives. Pour ce qui est de la remise aux grossistes, on va voir par exemple que la significativité est au seuil de 5%. Ce coefficient-là n'est pas significatif. Donc, bon, on ne peut pas interpréter. Mais s'il fallait interpréter, on pourrait dire que... Les ventes, les remises influencent positivement sur les ventes. Par contre, il faut voir ici que le prix, déjà, on ne peut pas interpréter parce que la p-value n'est pas significative. Mais si c'était le cas, comme on le verra dans les modèles plus sophistiqués, plus bas, nous verrons par exemple que le prix, si celui-ci était le modèle retenu et que la p-value était significative, le prix influencerait négativement sur les ventes. Et donc, comme interprétation claire, si les prix augmentent de 1%, les ventes diminueraient de 13,52%. Donc, c'est un peu ça l'interprétation. Et on peut avoir la même interprétation pour toutes les autres variables qui sont là. Ça, c'est de façon pratique comment on pourrait interpréter les coefficients d'un modèle linéaire. Donc, on peut avoir un tableau de résultats qui donne pour chaque trimestre de vente la vente, la prédiction que donne notre modèle. Vous voyez qu'il n'y a pas de grande différence entre la prévision et puis la vente dans notre modèle. Et puis, vous voyez que les résidus sont assez faibles. Voilà. Donc, on peut également schématiser... la prévision des ventes. Et puis vous voyez que sur le graphique, ce qui est en rouge, ce sont les ventes, et ce qui est en bleu, ce sont les prévisions. Vous voyez que les prévisions ne sont pas très éloignées des ventes. Il y a quand même, on peut quand même se dire que notre modèle est assez bon, mais on peut le parfaire. Nous allons le voir plus tard, un peu plus tard.
On peut également représenter la prévision, le graphe de corrélation, la droite de régression de la prévision sur les ventes. Par rapport à, vous voyez qu'il y a quand même une certaine tendance, une certaine droite avec un intervalle de confiance pas très, très écarté. On peut également estimer les écarts types des erreurs et puis voilà. Et l'analyse des résidus. Nous avons dit tout à l'heure que dans notre modèle qui s'écrivait par cette relation-là, nous avons supposé que l'erreur suit une loi normale. Donc, a posteriori, il faudra tester la normalité des erreurs, du terme d'erreur. Et donc, on pourra faire des tests d'hypothèse pour voir si les résidus suivent effectivement une loi normale pour pouvoir valider notre modèle linéaire. Maintenant, pour ce qui est du coefficient de détermination, nous avons parlé tout à l'heure du R carré. Le R carré vient de ce que la somme des carrés total est égale à la somme des carrés expliqués et la somme des carrés résiduels. Ce qui nous permet de tirer la relation R carré égale à somme des carrés total sur la somme des carrés expliqués. Ce qui donne un peu l'importance, le lien. Plus le R carré sera proche de 1, plus le modèle sera ajusté à la réalité, à nos différentes observations. Plus le R carré sera proche de, bon, de 1, donc, plus notre modèle sera bon. Et donc, on peut également regarder les prévisions, le graphe de prévision, de corrélation, de prévision et puis de vente. Et puis, pour pouvoir regarder pouvoir également valider notre modèle, on peut regarder si globalement les coefficients de notre modèle sont significatifs. Et donc, on fera un test d'hypothèse pour voir si nos différents coefficients sont tous égaux à 0 ou alors il existe au moins un d'entre eux qui soit nul. Voilà. Et on le fera au moyen de la statistique de Fisher qui nous permettra de tester au moyen de notre seuil si oui ou non notre modèle est globalement significatif. Et de façon individuelle également, on pourra tester la significativité de notre modèle pour regarder individuellement pour chaque coefficient bêta j si il peut être supposé ou non nul. Donc on va tester l'hypothèse nulle bêta j égale à 0 contre l'alternative bêta j différent de 0. Et en cas de rejet de l'hypothèse, on pourra dire que le coefficient est significatif. Et c'est ça qui est matérialisé par la p-value que nous avions vue dans notre tableau d'estimation des coefficients. Et ce test se fait à travers la statistique de Snowden. Et puis, la décision se fait au moyen de la table de Snowden réalisée. Mais le logiciel d'estimation vous permet de voir directement la p-value qui permet de se renseigner sur la significativité ou pas de notre coefficient. Voilà. Et donc, pour ce qui est de la significativité globale de notre modèle, nous revenons un peu sur les estimations de notre modèle de tout à l'heure. Vous voyez donc que de façon individuelle, le marché total influence significativement sur les ventes. De façon individuelle, les investissements influencent significativement sur les ventes. La publicité également influence significativement. Donc, nous avons trois variables qui influencent significativement sur les ventes, à savoir le marché total, les investissements, et puis la publicité qui influence significativement sur les ventes.
Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir trouver un meilleur modèle. Et donc, d'où la notion de régression pas à pas, donc backward. Et donc, la régression pas à pas, backward, consiste à mettre à partir du modèle complet où nous avons toutes nos variables et à chaque étape, on enlève une variable xj ayant un apport marginal le plus faible. Donc à chaque fois, si on revient à notre tableau, par exemple, à chaque étape, on va enlever la variable ayant la plus grande p-value, comme celle-ci, par exemple, le total de la publicité. Par exemple, on va faire une estimation pas à pas et qu'on aura inséré toutes nos variables. À la première étape, on va d'abord enlever la publicité totale et puis on va réestimer le modèle sans cette variable là et ainsi de suite, de proche en proche on va y aller jusqu'à trouver notre meilleur modèle où presque toutes nos variables sont significatives. Ce sera le meilleur modèle, voilà. Et donc après avoir fait donc ce modèle pas à pas, il y a une première étape où on réestime notre modèle tel qu'il était tout à l'heure à l'étape 1. On va donc enlever la variable qui a un apport significatif le moins important, donc qui a la plus grande p-value. Donc vous voyez que à l'étape 2, la publicité totale a été enlevée. Et puis, si vous regardez bien, vous verrez que la variable frais de vente a une plus grande p-value. Donc, elle sera enlevée à l'étape suivante. Et donc, vous voyez, de proche en proche, étape 3, étape 4. Étape 4, oui, vous voyez que il y a encore une variable qui est les remises aux grossistes qui ont une significativité très faible. On va passer à l'étape 5 où on a 4 variables qui restent dans notre modèle, à savoir le marché total, le prix. Et puis les investissements et puis la publicité. À cette cinquième étape, vous pouvez remarquer par vous-même que toutes les variables sont significatives au seuil de 5%. Toutes nos variables sont significatives au seuil de 5%. Et on peut par exemple interpréter tous nos coefficients qui sont là. On pourrait par exemple dire que le marché total, une augmentation du marché total de 1% entraînerait une augmentation des ventes de 5,19%. Par contre, une augmentation du prix de 1% entraînerait une diminution, autant pour moi, des ventes de 13%. Les investissements, une augmentation des investissements de 1% entraînerait une augmentation des ventes de près de 2%, et puis un investissement sur la publicité entraînerait une augmentation des ventes de 8% si on augmentait l'investissement sur la publicité de 1%. Et donc, pour notre modèle, on pourrait conclure que la publicité est l'axe majeur sur lequel on pourrait agir pour pouvoir augmenter les ventes. Donc, il faudrait actionner beaucoup plus les leviers sur la publicité pour pouvoir augmenter nos différents ventes. Maintenant, il faudra peut-être faire un arbitrage sur le coût. Et puis là, on entre dans d'autres considérations. Et donc, pour terminer, nous verrons que on a notre modèle complet qui contient toutes nos différentes variables, à savoir le marché total, les remises aux grossistes, le prix, le budget de la recherche, les investissements, la publicité, les frais de vente et puis le total de la publicité. Voilà, ça c'est notre premier modèle. Et puis nous avons fait un modèle pas à pas
dans lequel on enlevait progressivement les variables step by step. Et puis on est tombé sur notre modèle simplifié où on n'a plus que quatre variables, à savoir le montant total, le prix, l'investissement et puis la publicité. Ce sont les variables qui pourraient le mieux. Et cela remet sur la table la question de quel est le meilleur modèle. Le meilleur modèle, c'est donc celui-ci qui prend en compte de façon optimale trois variables seulement. Quatre variables autant pour moi pouvoir expliquer les ventes d'un modèle de façon plus efficace, et ces trois variables pourraient être des variables très importantes de politique marketing de l'entreprise pour pouvoir accroître les ventes, par ricochet les profits. Vous voyez comment l'économétrie de façon pratique, l'économétrie du modèle linéaire plus particulièrement, pourrait permettre de mener des politiques marketing fortes pour une entreprise. Et donc, pour notre modèle complet, on peut faire le test pour regarder la significativité globale des coefficients. On peut, au moyen de la statistique de Fisher, pour notre modèle, on peut également faire des prévisions de vente en donnant à une date donnée, puisqu'on a déjà notre modèle, les coefficients bêta étant estimés, on peut faire la prévision en donnant à XI des valeurs exogènes qui pourraient permettre de déterminer quel est le niveau des ventes. Voilà. Et donc, on peut représenter le graphique des ventes et puis des prévisions et puis des réalisations. Mieux analyser, on peut également faire la régression des ventes sur les prédictions de notre modèle. On peut regarder les intervalles de confiance. On peut regarder les intervalles de confiance et interpréter comme je vous ai montré tantôt. Donc c'était tout pour ce tutoriel, et dans mon prochain tutoriel, je vais vous montrer comment estimer de façon pratique un modèle linéaire multiple sous le logiciel R plus précisément.